il y a plus de 25 ans, si aucune plainte n'avait été déposée, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va improviser quelque plainte que ce soit, par quelque individu que ce soit. Nous n'avons pas dit qu'il n'y avait pas des rancœurs qui ont été occasionnées au moment où M. Duvalier était au pouvoir, mais s'il y avait des rancœurs ou des rancunes, il fallait les exprimer, les traduire sous forme de plainte dans des délais convenus et prescrits par la loi, en se servant de la justice comme outil de persécution. Il a dit également que présentement, il est là, il est au Caribé, pour 7 heures. Donc si on a besoin de lui, on peut toujours le convoquer pour le questionner, etc. Bon, c'est la persécution politique. Nous autres, nous restons dans la légalité. Nous parlons du respect scrupuleux de la loi, qui est une pour tous et qui s'applique envers et contre tous. Ce que ça a fait, il n'y a pas cadré avec la loi. Alors, hier, le commissaire vient pour l'arrêter, le président. Si je ne suis pas là, il est à la veille. Il vient dans un paquet de policiers là, il est là, son propriété privée, ou pas, entrer là dans n'importe qui. C'est que il a quitté le tranquille parce que il n'y a pas rien au carré prochain, eu égard à la loi. Maintenant, si on a proposé gros nègre ou veut la loi dans le propre mouvement fort, bon, ça a toujours fait. Mais en temps utile, ou pas subir conséquences. Vous vous adressez à un avocat. Madame, cette loi a été votée en 1994. La loi ne rétroagit pas. Jean-Claude a laissé le pays depuis 1986. La loi pénale ne réagit pas. À moins qu'elle soit en faveur de l'accusé. Ah, donc, toute personne qui prétend, ou bien qui a l'intention, ou bien qui ont été portées plainte pour crime contre le président Duvalier, ça, je dirais réellement, ça doit, c'est une action chimérique.